Bonjour à tous mes très chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies du jour. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer, je vais d'abord remercier en deux parties. Tout d'abord, je vais vous remercier tous et toutes qui avaient répondu, qui avaient commenté sur la vidéo du soutien à Magali. Merci à tous du fond du cœur. Merci également pour toutes vos actions que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre. Vraiment, je suis extrêmement touché. Je vous remercie pour Magali également, même si elle l'a fait, hein. Elle vous a remercié aussi. Après, peut-être qu'elle peut peut-être pas, Bichette, vous remercier tous un par un, parce que plus de 3 200 personnes, ça fait beaucoup quand même de monde à répondre individuellement. Mais sachez que voilà, c'est vraiment du fond du cœur. Merci, 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 merci beaucoup. Maintenant, l'autre remerciement, c'est pour Magali, bien sûr, et c'est aussi pour lui préciser que ce soir, d'ailleurs, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai mes amies qui sont encore présentes. On va faire un petit coucou, hein, regardez. Gros bisous Magali, on t'aime fort. Voilà, c'est mes amis du Credo de l'Animus, Oui. qui est aussi une page de guidance et de voyance. Allez voir ma chaîne YouTube. Donc, c'était pour stipuler à Magali qu'on vient de faire un truc super costaud, on vient de faire un puissant rituel de guérison. Vraiment, on a fait quelque chose d'extrêmement fort et j'espère sincèrement que ça portera ses fruits. On a mis tout notre savoir-faire, toutes nos compétences, toutes nos connaissances et tout ce qu'on sait faire et surtout toute notre énergie d'amour, de bienveillance, de protection, toutes nos énergies lumineuses. On les a toutes mises pour t'envoyer un maximum d'énergie. Allez, maintenant, ceci étant dit, on y va pour les énergies du jour. Ça commence bien, je fous les cartes en l'air. On va essayer de se faire une vidéo relativement sérieuse, hein, pas le grand n'importe quoi de hier. Hein. Je sais pas ce que j'avais, pourtant c'est pas la pleine lune, c'est pas monté non plus. Hein. Surtout que c'était une infusion pour. Vous savez, les infusions de pisse-mémé, là, les trucs nuit tranquille, etc. Là, bah, j'avais bu ça, ça a pas l'air fonctionné. Parce que non seulement je me suis endormi vers 2-3 heures du matin, mais en plus j'étais juste surexcité, donc ça marche pas bien. L'infusion nuit tranquille. Je vous déconseille, ça marche pas. Allez, on y va. On y va, on fait la coupe et la coupe. Oh bah ça tombe bien, c'est la croix aujourd'hui. La croix qui peut nous symboliser les deuils, les choses. Ok, je viens de vous parler de deuil, formidable. On va se prendre une autre carte. On va se prendre une autre carte parce que j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Et j'ai une carte qui vient de s'envoler. Et comme par hasard, il s'agit de l'onde. On va se le prendre. On va se le prendre. Mais ça peut aussi être une réponse pour nous par rapport à ce qu'on a fait ce soir. Parce que Cédric aussi a participé. Alors, vous savez quoi? À titre exceptionnel, je vais interpréter ces trois cartes, mais je vais quand même en prendre deux autres, parce que ça, je pense que c'est notre réponse personnelle pour nous, pour nous indiquer qu'effectivement, ici, on va faire le deuil de quelque chose, et c'est pas forcément la personne. Je pense qu'il y a un deuil qui va se faire, hein. Regardez, ici, on a l'onde, l'onde qui nous rappelle l'onde de l'encéphalogramme, hein, cette onde pour nous dire, pour nous indiquer que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tant qu'il y a de la vie, on continue la lutte et le combat, on ne perd pas espoir et que la mort reculera devant la vie parce que la croix, on peut aussi l'interpréter avec la résurrection, hein, et la mort justement qui recule devant la vie. Donc pour moi, je pense que c'est un deuil à faire, que c'est la fin et la mort de quelque chose et que tant qu'il y a de la vie, tant que le combat n'est pas terminé, on continue la lutte. Gardez-le quand même en tête, le message. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ce sont les énergies maîtresses de la journée, hein, peut-être. Après, ça peut aussi pouvoir nous stipuler une mort physique. Peut-être, malheureusement, que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Je ne le souhaite pas, même si la mort fait aussi partie du cycle de la vie. Mais pour moi, je pense que c'est une réponse. Donc, comme je vous l'ai dit, à titre vraiment exceptionnel, on va tirer deux autres cartes. Allez, on va se faire la coupe. On a la bague. C'est un peu plus lumineux déjà. Et on a l'arbre.
Bien, je pense que la bague et l'arbre sont les vraies énergies maîtresses. Les trois cartes étaient, je pense, pour nous. Mais quand même, gardez-le en tête, hein, ok, on sait jamais. Alors, l'arbre et la bague, eh ben ça tombe bien parce que l'arbre, justement, ça nous parle de santé. Ça nous parle de vitalité, ça nous parle de force. Et rappelez-vous, l'arbre est tombé hier. C'était la carte maîtresse avec l'oracle de l'arbre de vie, pardon. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que l'arbre, c'était également la verticalité qui permettait de connecter le sol et les cieux. Hein, c'était cette ligne comme ça, verticale, qui nous permettait de nous reconnecter avec le ciel. Et fait exprès, on a la bague qui nous parle d'union, là encore. Donc clairement, aujourd'hui, on va être sur des énergies unificatrices, sur des énergies d'union. On va unir des choses. Il y a peut-être des choses aussi qui peuvent s'officialiser, d'accord? Parce que la bague, regardez, hein, le message qui est inscrit pardon, dans la bague, c'est « à toi pour toujours ». Donc ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler de choses qui vont s'officialiser, de choses qui vont s'unir, de choses qui vont se concrétiser. En plus de ça, du coup, la bague est couplée avec l'arbre. Donc là, ça nous parle de choses non seulement qui vont s'officialiser, mais qui vont s'enraciner, hein, qui vont s'ancrer dans la terre. Et fait exprès, en plus, l'ancrage, c'était le thème de nos énergies d'hier. Donc on est vraiment en plein dedans là pour le coup. Donc voilà pour moi les énergies de quoi ça va nous parler aujourd'hui. On va venir compléter maintenant avec l'oracle de l'arbre de vie. Excusez-moi, je vais y arriver. Excusez-moi, c'est compliqué, hein, mais quand vous avez fait 3 heures rituel non-stop, vous avez le cerveau qui finit en compote. Surtout qu'au moment où je vous parle, il est vraiment... on est vraiment le 8, hein. Il est plus de minuit. Tout va bien. Pareil, du coup, à titre exceptionnel, vous n'aurez pas la vidéo tout de suite à minuit, hein, puisque d'habitude, je vous la programme, je vous la fais vers 10h, 22h, 23h, et je vous la programme pour qu'à minuit, elle soit dispo sur la chaîne. Mais là, comme il est déjà plus de minuit, vous ne l'aurez pas forcément à minuit, hein, soyons logiques. Allez, on fait la coupe, et on a la force et le courage avec la panthère des neiges. Très belle carte. Et nous avons le transport avec le train. Alors, aujourd'hui, ça peut nous parler de déplacement. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Alors, ça peut être soit un voyage qui peut être loin, comme ça peut être un voyage qui peut être pas spécialement loin, mais qui va nécessiter de prendre un moyen de transport. Hein. Vous ne pourrez pas y aller à pied, ça va vous demander de... Excusez-moi, ça me fait sourire parce que au moment où je dis ce que je suis en train d'annoncer, je suis en train de penser à des choses qui pourraient complètement être cohérentes pour aujourd'hui. Donc ça va nous parler de transport. Ça va également nous demander de la force et du courage, parce que peut-être que là où vous allez devoir vous déplacer, ça va peut-être vous mettre soit les nerfs assez, soit à vivre, soit c'est, par exemple, ça peut être un examen, je pense à un examen médical, hein, on est en plein dedans, hein. Ça peut être un entretien d'embauche, de crédit, un rendez-vous avec un notaire, un avocat, voilà. C'est un déplacement, en tout cas, un déplacement qui va vous demander d'être courageux et de faire appel à votre force. Et du coup, je comprends mieux aussi le fait de s'ancrer, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui est stressant, qui est angoissant et qui vous demande de vous ancrer justement pour éviter de paniquer ou... hein. Pour moi, quand même, il y a quand même une réussite. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va s'officialiser. Mais je pense que votre épreuve, elle est d'abord ici, dans le sens où il y a ce déplacement, donc il y a cet acte de se déplacer, de bouger, de se présenter, de faire les choses, de faire le premier pas, ça peut être ça aussi, hein, ça peut nous indiquer d'être l'auteur des initiatives et de faire preuve de courage, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir peur si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé au fait de vous présenter quelque part ou de faire quelque chose aujourd'hui, eh bien affrontez cette action, cette situation et vous en serez récompensé. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des anges. Oui, d'ailleurs, j'y pense, je ne vous ai pas présenté les oracles, mais bon, vous savez que la semaine n'est pas terminée, donc forcément, je fais avec les mêmes jeux. Vous avez vu comme je suis relativement sérieux aujourd'hui, hein, ça vous change.
Non, mais j'ai trop fait le pitre hier, c'était n'importe quoi, je sais pas ce que j'avais. Je me suis dit, non, faut que tu leur montres aussi que tu peux être sérieux. Non, mais je sais que j'aime pas, vous aimez pas quand je suis sérieux. Bon, on s'en fout, tais-toi. Allez, la carte aujourd'hui. Oh, bah regardez, non, mais c'est formidable. La carte d'aujourd'hui, elle nous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. C'est vraiment un message pour le coup. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Est-ce qu'il y a besoin de commenter ? Clairement, je pense que voilà, si vous avez fait des demandes particulières, s'il y a des choses en attente, s'il y a des choses dont vous avez besoin, s'il y a des choses que vous avez réclamées à la vie, eh bien sachez que vous avez été entendu et que les choses se feront. Alors certes, peut-être pas tout de suite, mais les choses se feront. Parfois, pour que les choses se fassent correctement, il faut savoir aussi accepter que le temps agisse pour nous. Hein. Le temps, c'est un allié, ce n'est pas un ennemi. Hein, je sais que certains pensent que le temps, parfois, est un ennemi. Non, c'est un allié, toujours un allié. Donc ici, ça nous parle de se lancer, donc n'ayez pas peur de faire les choses, soyez l'auteur des initiatives. Là en plus on parle des énergies d'amour, hein, donc si vous qui êtes célibataire, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse et que vous n'osez pas, vous avez peur de vous manger un râteau, hein, comme on dit, enfin je sais même pas si ça se dit encore, eh bien n'ayez pas peur, faites-le, lancez-vous, osez, hein. C'est comme dans la magie il y a une règle qui dit tant que ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux, et il y a des lois, des mots, et entre autres, dans les mots importants, c'est oser, oser, oser. Donc faites-le, faites oser. Au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vous plaise, elle va vous dire non. Eh ben, elle vous dit non, ben voilà, c'est pas la fin du monde, enfin, la Terre va pas s'arrêter de tourner, donc voilà. Si, sachez que lorsqu'une situation se solde par, entre guillemets, un échec ou un non, c'est pas punitif, d'accord? Il ne faut pas le vivre comme un échec, oh, ça y est, c'est fini, c'est bon, je baisse les bras, je capitule. Non, non, vous avez osé au contraire. Hein, moi je dis souvent, il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous arriviez à la fin de votre vie en vous disant « Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, nanana », plutôt que « Ah, bah, si j'avais su, j'aurais dû le faire, tiens, parce que c'est pas que maintenant, aujourd'hui, je suis vieux, je suis moche, je peux plus, j'ai plus la santé, je peux plus le faire ». Vaut mieux vivre avec des regrets, hein, oser l'avoir fait, et puis se dire « Ah, mince, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça », plutôt que se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dû, hein, voilà ». Donc ça, c'est le conseil du jour, osez, lancez-vous, faites-le. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Eh ben ça va, 12 minutes, j'ai été, hein, pour une fois, j'ai été assez carré. Hein. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Nous, on se retrouve bah, là, du coup, dans le week-end pour les énergies du week-end. Dans le week-end pour faire les énergies de la semaine ainsi que l'astrochance qui seront liées parce que j'ai vu que vous avez bien plu que je fasse les deux en même temps sur une même vidéo. Je vous ferai Radio Œil aussi parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas fait dimanche dernier pour la simple et bonne raison que j'avais que 3 questions en fait. J'avais 3 demandes. Je me suis dit, c'est un peu dommage que je fasse une vidéo juste pour 3 questions. Donc, n'hésitez pas, du coup, il y a de la place encore pour ce Radio Œil là de ce dimanche si vous être diffusé, hein, vous connaissez la procédure à suivre. Allez, passez une très bonne fin de semaine. Je vous embrasse tous très fort et puis nous on se retrouve soit aujourd'hui, soit demain matin. Voilà. Allez, gros bisous à tous.